chers internautes et téléspectateurs de Léon Joléo, c'est bel et bien votre tranche matinale que vous allez commencer à retrouver tous les jours du lundi jusqu'au vendredi à partir de 9h15. Merci beaucoup de nous suivre de partout à travers le monde. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes du côté de l'Angola, vous êtes du côté de la France, Belgique, Allemagne, Jeffersonville au niveau des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup aussi de nous suivre depuis la Nouvelle-Zélande, l'Australie, un peu partout à travers le monde. Merci de s'abonner encore massivement et massivement à Léon Joléo Télévision. Vous ne raterez absolument rien de plus ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. C'est une tranche matinale où il y a beaucoup de diversité. Nous allons commencer à parler du sport dans cette tranche matinale. Nous parlerons aussi de la politique. Nous allons parler de la musique, de la culture. Et aussi, nous allons parler de tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Nous serons plus aussi basés dans la proximité. Chers internautes, à la présentation, c'est plus rien collé, mais tout au long de cette tranche matinale, je ne serai pas seul. Je vais co-animer la tranche ensemble avec la grande équipe de Léon Joléo de Kinshasa. Nous sommes ensemble avec Jumaïtani, Joël Diawa et aussi merci à l'équipe technique composée de Thierry Batundoko derrière les caméras et du côté de la régie. Nous avons celui qu'on appelle Sabi. On est ensemble à pas de souci et de loin. Nous saluons notre boss, le PDG Papa de Boulamba. Bonjour, bonsoir, salutations spéciales à vous. C'est une tranche matinale bilingue, non, polylingue. Polylingue pourquoi? Parce que nous allons parler français, nous allons parler lingala, nous allons parler les Chiluba avec Christian Yankole, nous allons parler les Kikongo avec Christian Yankole, Thierry Diawa, je ne sais pas s'il va parler français, quelle âme. Et puis Jumaïkane aussi, je ne sais pas elle va parler le français et quelle langue nationale de la République démocratique du Congo. Mais vous allez presque découvrir la philosophie et les différentes modalités de cette tranche matinale. Restez toujours scotché, cimenté, branché surtout. N'hésitez pas, je commence par la main gauche, je suis ensemble avec Thierry Diawa. Bonjour, Salim Bote, Djamboeno, Betouabou, donc Nabala, mais nous d'abord bonjour à vous. Bonjour, bonjour Fiston Yankole et bonjour à tous les internautes de Léon Joléo. Je sais que Bazé Bélé, à travers le monde, Bazo la Nabiso pour l'instant. Ndenge Outi Koloba, tranche matinale, Oyoya Bissu Eza. Toujours pour nous servir internautes Nabiso, toujours pour nous faire des informations. Il y a Ndenge Nandenge, sport, politique, culture, société. Donc nous sommes là à votre service, nous sommes comme vos serviteurs. Je vous complète aussi Joël Diawa. Ce sera aussi une tranche matinale auto capitan, internautes, la téléspectateur. On est sur le banda pour l'ambassade, surtout le banda arabe, déjà. Il y a aussi un message vocal na bango, il y a aussi un écrit na bango. Vous en avez besoin peut-être opposer question na ba politique et en bon cannabis. Vous en avez besoin opposer question na ba autorité en bon cannabis. Vous avez besoin de dire na yo, vous avez besoin de message na yo. Je te retends à yango, peut-être vous publier yango, ce sera une très bonne chose. Merci beaucoup, l'objet de message audio. Vous avez malam ou babo, vous en avez besoin de un message vidéo. Alors que vous en avez moi vidéo, attendez-vous un message vidéo à travers les numéros WhatsApp que nous allons mettre à leur disposition. Et ça, toujours dans le cadre, il y a non seulement pour informer Bango, mais également, il faut tous à un échange permanent avec les internautes Nabiso. Voilà. Voilà. Lui, c'était Joël Diawa, il est le présentateur de l'émission, Face à Face, où il est à Awa, Matati, et Léon Joléo, et aussi tout au long de cette tranche d'animation nationale, que vous pouvez saluer le prix des programmes d'émission, notamment le lundi, au lundi, au lundi, après l'émission, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous avez déjà un programme dans Moutou, dans Nyon Soko, le produit Saka Awa, Nakati Aléon Joléo. Du côté gauche, c'était Joël Diawa, et du côté droit, c'est la grande dame qu'on appelle. Bijou Maïkani, bonjour à vous. Mbote Jambo, Betouabou, Mbote Nangé. Vous êtes à la disposition de nos internautes. Merci beaucoup, Yanko Le Fiston, Mbote Nangé, puis Kilumbuya Mbote, Nabandouya, Sakela Ndale, Onjona, Kilumbuya. Mbote na bien nyonse bonjour. Et puis il y a encore les fistons na sepel na binote po na niwe bisanga. Ils ont moi na biso ba maman. Ah bon? Mais comment est-ce que kobana na joie dire on fou mon bana na ngai ngai ndi moi si donc kobana na ah, na joie dire en tout cas fiston y a encore les côtés on a fait ça. Mume sepel la veille, mume sepel la veille. Le dugue bomisa yaou. Aujourd'hui nous sommes le jeudi, le vendredi dans le banda des côtés.
Voilà, donc. Voilà, merci beaucoup. Très cher chaque jour du lundi au vendredi. Awande bisika tokobanda kolobela makambo masole koleka kati ya République démocratique du Congo na ba intérieur bisika wapi nyonso awa tokolobela na tranche matinale na biso et bongo wapi bobo santé ko s'abonner massivement boye bati awa na kati ya tranche matinale en tout cas boko za la vraiment déçu te boko sepela na yango to za na pose ba suggestion na bino ya ko le fiston na bati te bati musu ba kromba na pe ko benga donc ko za pose ko benga ka biso ba benga ka biso en tout cas to ko za wana pona ko répondre ba question na bino bonyonso o to ko za la capable ya ko répondre to za liwana pona bino en tout cas Tokoba, la quatrième tranche matinale à Bissot. Voilà, c'est bel et bien Léon Julio à télévision, ok sur YouTube, à la barre de recherche Mayo ou Betty, à Léon Julio, dans ce télé, à notre très bien L-E-O-N-J-O-L-E-O, Léon Julio, salut lancer recherche Mayo, ou accéder à Léon Julio, ou cliquer sur s'abonner, et aussi ou cliquer dans la cloche et ça d'écouter au pont supérieur. Et téléphone Mayo, soit la machine Mayo, vous s'abonnez directement et la notification sur l'émission de M. Ramagouya. Programme Nabi Chodoro, rappelez-moi le sous tous les jours, dit lundi jusqu'au vendredi à partir de 9h15, pour on appelle la tranche d'animation matinale Nabi Chou. À part la tranche d'animation, nous avons aussi une émission politique dénommée Face à Face. Là, nous parlons de la politique avec Joël Diawa. La langue française, il y a aussi une grande émission politique et nous touchons aussi presque la secteur lien sur la société. C'est l'émission Fond de vie du peuple. Là, nous sommes bilingues, nous parlons français lingala. Et aussi, vous allez commencer à suivre cette émission ici. Il y a aussi une grande émission mère et famille, hein, c'est ça. Une émission féminine, là, avec Bijou Maïkani, Azuyan Baba, Autorité, Nyon Suya et Kolo Congo. Bana basi nyonso, ozala député national, ozala ministre, ozala nani, ozala ba secteur nyonso, oyebraka, étant que dame, étant que une femme, vous êtes la bienvenue dans la grande émission Mère et Famille, mais également nous avons des émissions de découverte télé-réalité, nous descendons presque dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, dans tous les coins de Kinshasa, dans tous les coins de la République démocratique du Congo, pour tout faire des tribunaux. Les Congo Propons, c'est dans l'émission Télé-réalité et aussi nous avons l'émission Chemin de la vérité. Nous parlons exclusivement de la religion quand nous sommes dans un pays laïque, toujours faire des tribunaux à toutes les religions de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi l'émission Musique et Culture. Là, nous recevons les artistes et musiciens, les artistes et comédiens, mais aussi les peintres. Là, c'est dans l'émission Culture et Musique. Nous avons plusieurs émissions. Il y a aussi des émissions qui sont produites du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que Léon Julio, ce n'est pas uniquement Kinshasa, vous avez un côté à l'Est, il y a le Kolo Congo, mais également de ça, la direction générale de la mission au niveau de la Nouvelle-Zélande, où on a fait la production de M. Salamata. Donc, pour s'abonner à Kokomona, vraiment diversité à votre famille. Demain, ce matin, dans notre tranche d'animation, nous allons plus parler. Le problème, il y a transport Ouyo, et ça, à présentement, ma ville, province, il y a Kinshasa. Et mais également, nous allons parler de la grande rencontre de ce soir entre le léopard de la République démocratique du Congo et l'équipe nationale gabonaise. Et Mathieu de Kobitama, déjà, ce soir, à partir de 17h. Et cette rencontre est de la paix en direct dans Léon Julio. Donc, à partir de 17h. Soyez connectés, branchés, allez au Julio Bolanda, match RDC Gabon en direct. D'abord, débutons avec problème, le transport à Kinshasa. Après la pluie, c'est les beaux temps, mais à Kinshasa, après la pluie, problème à transport, Makassi, les matins avant de sortir, problème à transport à 12h, Banassou Babini qui est là, c'est problème à transport, Barigani, Bandad Mabango. Et mais également, Moussala les soirs, ce qui décide problème au Baparabazo Mabanda avec le couvre de sa pose problème. On ne sait pas aujourd'hui, problème il y a transport, les alliés plus basés dans l'inimé. Il y a moins de communication. Vous vivez à Kinshasa, nous pensons bien que vous êtes né et grandi à Kinshasa, mais le haut Kinshasa, à l'époque, si nous prenons les années 80, les années aussi 90, transport est allé un peu stable, mais le haut, nous.
primaire contre les transports et qu'on a problème à Kinshasa. Merci beaucoup, Yankole Fiston. En tout cas, les cambouis à transport ont évité de l'Obani. Et comme il y a la passe mingi, comme on a été, les cambouis à transport et comme il y a un oyo, comme il y a un la passe. Tu vas comme on voit plus de temps sur le cambouis à Nzala, mais comme plus de cambouis à transport. Nous devons aller à 4 heures du matin pour aller à la bus à 500 francs pour aller à la bus à la bus. Tout le monde a dit que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire après la pluie, c'est le beau temps. Mais à Kinshasa, après la pluie, tu évites après la pluie les transports. Les mauvais. Et après la pluie, les transports, difficile. Après la pluie à Kinshasa, tu évites les transports. Et là, il y a après la pluie à Kinshasa, d'abord avant la pluie, transport, d'abord on va dire que les gens ont transport, ils ont un passé. Et puis les gens ont un transport, parce qu'ils sont en colère. Bande ko na biso ba chauffeur awa lokola mboka ya biso mboka moko mboka moko te vite soki loi ezaka soki ba loi ezaka te to yebite soki mbula ka bomoni ke likolo yindi chauffeur azaki na ligne ya 500 akomisi ligne ya ko bi combien 1000 francs a doublé yango moto soki azaki na 500 1000 francs komi 1500 francs 2000 francs wala ka likolo yindi wala ka likolo pa mananu e bande ko na soki mbule zo beta. Et alors, ce qui est moula est béti, kaka bepa, bandeko. Ce qui est moula est béti, en tout cas, les gens souffrent sérieusement. Et puis, naï mokolo mouzouane, les gars qui y a encore les fistons, à ma grande surprise, autorité moura les gars qui, kaka na boulevard, y a limité wana. Boulevard du 30 juin. Voilà. Boulevard du 30 juin. Bandeko nangaï, et celle qui sonne. Pourquoi? Parce que, parce que l'extérieur autorité, les gars, papa, vous avez dit, t'as la population, parce que les gars, pion, les gars, pon, 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 pon. Au moment où bah, je t'ai demandé ma colle, pourquoi? Parce que vous les avez complété une autorité à Zali, moi, dans mon salaire population. Voilà. De ceux qui population en Panamie, dans mon pays, je peux autorité aux ascensés à Rogomisanzela, je peux quand même dans mon pays, je peux avoir conséquences. Mais, je peux pas dire que au moment où population, je t'ai demandé ma colle, je t'ai demandé ma colle, je t'ai évité ce bateau-là, 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 je t'ai problème, il y a transport à niveau mon coco imaginé. Tout le monde qui a un bus, il y a qui va transco. Mais il y a un bus, on ne le voit pas, moi, à l'objet que non, une fois. Nous, on va pas dire ça, moi. Nous, on va pas dire ça, on va dire ça. On va dire que le bus, c'est au caca. Moi, mon coco, il y a un bus, il y a qui va bomber, on va dire que non, tu es allé comme on est, il y a un bon. Ma bus, on est, il y a qui te connaît, il y a un bus, on te conseille. Là, ma bus, c'est ma bus, c'est mes trans. C'est comme si, et ça a été transport, il commence à être plus difficile. Parce que c'est que le temps de ma colo. Embouteillage et le bide chaque jour, matin, midi, soir. Et on va monter les assouter. Il y a encore les fistons, lobby, dans la route universitaire, on a accident au Salamaki. 6 élèves. Je veux dire, n'est-ce pas ça? Juste un arrêt, sur côté intendant général, ou qui est un arrêt, il va bien un arrêt qui n'a. Parce qu'il faut ça la précision, il y a ma case, il va dévoiler la mission avec Bandambo Kabaye. Tout à fait. Donc, sur côté universitaire de Kinshasa, aux autres qui t'a, donc aux autres qui t'a, il y a un rond-point Gaba. Voilà, il y a un rond-point Gaba. Alors, sur côté qui est intendant général, toi, dans l'université de Kinshasa, il y a un intendant général, comme un arrêt qui n'a. Accidentellement, il y a un arrêt qui n'a, 6 élèves, il y a un arrêt qui n'a. Pourquoi? Bah c'est ça le mabongo. Bandela et Zaïlon Wikie, Mituka et Komi Ebele, Otobinga Roulacha, Namoka Nabiso. Ah, Bazal, Nandela est intendant général, rond-point, transfert, intendant style, rond-point, Bazalakate. Tout le monde a gâté, attends, Roulacha, tout le monde a gâté. Donc, Moutoudam, dans ça, à tout le monde, on a n'a 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 il y a Léo Djoléo, surtout, tout le monde qui a abonné à l'internet, à l'expéditeur, à l'abonné au parfum de l'actualité de tous les jours. Toujours par rapport à la problématique, il y a transport dans la ville de province de Kinshasa. Et Babis Transcoyé, à l'époque de Matata Ponyo, il y avait plus ou moins 200 à 300 bus qui sont bâtis par le gouvernement congolais et côté de Kinshasa, une partie aussi qui est dans la province. Mais et Pesaki solution en cas c'est un problème, il y a transport en attaque à Kinshasa. Avec l'arrivée, il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sous son impulsion, hein, Babis monsieur a transco ayé, mais on se pose la question, Babis est bilé, Mitukapé a privé et zébilé, mais écoutez, on a la bandera, est-ce et pour remédier vraiment un problème où il y a transport en attaque à la province à Kinshasa, il ne faut pas aussi recourir na transport des masses où il y a train, parce qu'à l'époque, comme les trains, il y a Massina, mais également.
y a Kasangoule Bandaki qui fonctionnait normalement et stabilisa qui un peu le rythme et aussi un mouvement y a Bakinois, na Bakinoise de tous les jours. Joël Diawa, vous avez la parole aujourd'hui, Kinshasa. Il n'y a même plus le sentiment de sortir le matin. Il n'y a même plus le sentiment, vous terminez les travaux les soirs et de rentrer à la maison parce que nous souffrons tous les jours. Nous souffrons le matin, nous souffrons aussi les soirs. Bon, ça pose problème. Je voulais d'abord brosser l'ensemble de la situation. D'où est venue cette difficulté de transport? La première des choses, il faut savoir que, vous l'avez si bien dit, vers les années 80-90, il n'y avait pas beaucoup d'embouteillage. Aujourd'hui, là, on a une croissance démographique hors norme. Vers les années 80-90, il y avait environ 5 millions de Kinois. Kinshasa avait 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est plus de 12 millions d'habitants. Je suis même le gouverneur de la ville-province. Il venait de parler des 15 millions. Voilà, je suis en train de... Parce qu'on n'a pas de chiffres exacts. Raison pour laquelle je dis 6 millions d'habitants. Plus de 12 millions d'habitants. Alors, si vous comparez la population qui était vers les années 80 et la population d'aujourd'hui, c'est presque le double. C'est presque le double. Deuxième chose. Aujourd'hui, acheter un véhicule n'est plus pratiquement un luxe pour les Congolais, pour les Kinois. On nous a amené les véhicules avec 1 000 $, 1 500 $, tu peux avoir un véhicule. On a plusieurs véhicules dans la ville de Kinshasa. La population, la croissance démographique, on a plus de 15 millions de Kinois. Je vous complète un peu, Joël. Aujourd'hui, le pays le plus peuplé du monde, c'est la Chine. Mais il n'y a pas un problème de transport. Non, il y a d'embouteillage en Chine, peut-être. Mais bien sûr, oui. Mais il n'y a pas vraiment un problème de transport. Je continue. Il n'y a pas vraiment un problème. C'est quoi le problème maintenant? On a beaucoup de véhicules, on a beaucoup d'habitants, on n'a pas de route. C'est ça le grand problème. Alors que le développement devait aller ensemble, la croissance démographique devait aller ensemble avec le développement des infrastructures. Vous voyez les grands problèmes. Le premier belé na Kinshasa, banzela zate. Banzela auto et baika depuis Serra Mobutu. Ce qui va bongi si quelques 3-4 nzela. Mituke komie belé batu ba komie belé. Alors boy sanga batu na ba olekana banzela nini. Mituke olekana banzela nini. Ba bongi si ba bambi. Aujourd'hui. Ba ebi si biso que ba saute mouton. Ba tongel biso ba saute mouton. Vous savez, on a dépensé plus de 400 millions de dollars. Avec ces 400 millions de dollars, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de construire des routes secondaires? Il y en avait la possibilité. Mais on n'a pas construit les routes secondaires. On a détourné l'argent du trésor public pour nous parler des sautes-moutons. Est-ce qu'on va sautes-moutons au Batongé, Libiso A? Et si c'est un embouteillage, na Kinshasa? Non. Tout le monde écoute Banda, va fongole, va sautes-moutons, embouteillage et Makas. Mais on nous dit au niveau des Bitabé, au niveau des Pascal, la mais aussi au niveau des Lebanon, comme si. Fiston Yankole, moi je t'ai dit, moi j'emprunte la route, le boulevard Lumumba tous les jours. Ce que commune a limité 18e rue. Ozo mona na tongo mona bat bazo ta changunde bazo ya makolo bazo tambola na limité. Voilà ce que sanga ke ba sot muto na sisi pas ya transport kuna. Non. Ba ki a gouvernement congolais et bois kimbongo na ba sot muto. Ba bois kimbongo te ba pesi ba tumo be balié. Parce que l'argent était détourné. To yebi ngo bisonyo so ba tongel biso biloko moko boye ba détourné mbongo. Là nous le savons. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui, ce n'est pas notre sujet d'actualité aujourd'hui. Alors, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est quoi? Tellement que Batouba Komé Bélé, Mitouke Komé Bélé, Nzele Zate. La première des choses, le gouvernement provincial, parce que la route secondaire, ils ont la compétence du gouvernement provincial. La route principale, ils ont la compétence du gouvernement national. Voilà. La voirie, wana, la route secondaire. Gentini Ngobila Azawana, il doit trouver des moyens pour atonga ba route secondaire. Bango bazo ke wela kaka zando, tokanga zando, to bongisa. Hassan Abedachour, Hassan Abedachour, banzele yangwana e baby, banzele zatemi tuke komi bele batu mo le kawapi. Gentini Ngobila ne dit absolument rien en ce qui concerne l'embouteillage à Kinshasa. Même la route principale, au Tosa, on a Kinshasa lelo. Au moins, la route, Babanzela, Baoto Tongasiko, mais les cas, au moins, on a Maboulou, Maboulou, Ndesalen. C'est ça
le grand problème avec nous ici. Il n'y a pas l'entretien. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, aussi que le Bamakambo, il y a un train urbain. À l'époque, tu as quand même train Mokozo, Tamassina et Etigar Central. Avec même 5000 personnes. Oui. Les gens payaient 300 francs ou 200 francs à l'époque. Vous imaginez ce qui est Babongi, Sira, Iwana, ou Elongwa Kabanda, aéroport, ti... gare centrale. Tous les sources sont en difficulté, Bamboutiage, Batubando Kangamana quartier 1, Batubando Kangamana Debono, Batunio sur la Tchangokuna, Bando préféré qu'on ait un train. Parce que ça, voie où est moins cher, et ça peut voir où yo, et ça peut permettre Bango, Bakende rapidement, comme dans la centre-ville. Deuxièmement, Oyo, Bazar na côté au Moussous, na partie ouest. Ba ou ta Kazangoulou, train eux ou ta Kazangoulou, et yen zelan 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 zui batu ya, ya Kisenso, ya Rifla, batu ya Pomatete, et Mimi Bangonion sorti na gare centrale. Est-ce que ceux qui te salient le Kouana, difficulté à transport aussi la thé, ceux qui te salient le Kouana, bamboutillage aussi la thé, ceux qui te dit peut-être que Bozan Makoki, Yako, Bongi Sabanzela thé, pour Bino Bolobaka, qu'on n'a pas les moyens, le gouvernement n'a pas les moyens, ainsi de suite. Ceux qui vous en ont moyen, parce qu'il y a les moyens, vous détournez. Ceux qui vous ont peut-être les moyens, ils ont été dans le secondaire. Est-ce que possibilité aux alatés, nous avons dit que nous avons dit quand même que nous avons dit que nous quand même que nous état où nous permettre que le train et le caca, Kinshasa, Kazangoulou, gare centrale, Massina, pour que et permettre Batou, Bamekako, soit possibilité à cause de transport pour Nako Tambola. Tout le monde a limité ma petit boulevard, na boulevard du 30 juin, boulevard Lumumba, pardon. Ma petit boulevard Wana Batonga, Kende. Kende na ma petit boulevard, non, mon andenge koma. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Donc là Joël, au type plus, réfléchir autour d'abord, il y a entretien, puis il y a construction, il y a route. Voilà. Aujourd'hui, pour que problème il y a transport ici en Kinshasa, il faut revoir et entretenir Bandila où ils allaient déjà et penser aussi à retourner Bandila ici. Prenons les cas, par exemple, au niveau de Massina, à part la grande route qui a boulevard, nous avons aussi une autre route de l'autre côté où Babenga Kulumba. Or, Kulumba, wana, ils allaient aussi à Sidisa qui a mounion sur Elongwe Siforko au niveau. Il y a un rapport en Gili et Limiti dans le quartier Babengaka industriel, soit encore dans la voie industrielle. Ouais. Ça allait remédier le problème où il y a un embouteillage et un transport où il y a un embouteillage presque tous les jours. Parce que ce qu'on a remarqué à Kinshasa, presque dans le Tongo, nous quittons Tchangou, nous quittons Lukunga, nous quittons Funa, Bissonyonso, et à Kanabombe. Tout est concentré là-bas. Tout est concentré au niveau il y a Gombe. C'est pour cela que ça pose des problèmes. Ce qui peut être au ministère Abidjan, où il y a un dossier de ministère Abidjan qui est dans Djil. Au primatir, ils ont raconté à Kanduka, il y a un dossier de primatir qui est là. Au Zandomo, il y a un dossier de Lemba, il y a un dossier de Malueka. Donc il faut déjà penser, il y a un peu de décentraliser ma capoebele. Bah ministère, bon pandi pandi en Kinshasa Mobimba et aussi bah marché, bon pandi en Kinshasa Mobimba pour et ça en sorte que problème au transport puis ici là. Maïkani, avant de recevoir parole, ok, n'a rien à vitesse ce qu'on a dit non, il faut n'importe quel endroit qui est vraiment ok, à tiens moi un vino, autant au Zumba, à lancer encore réflexion et malam. Aujourd'hui, ça continue toujours problème à transport, bah transco est lié. Bah, transforme nous le bique et est belé chef de l'État à niveau il y a palais du peuple jusqu'à l'extérieur voilà a présenté à moi na ba congolais ce qui ba bisu yango et est à lancer en open anzela mon le bique est allé comme on a en anzela carrément moko bon moi je pense que pour la raison en moi si mana o bozi koloba likamona nous ya anzela na to tana likamona anzela mana pembeni to réfléchir dans ensemble d'abord et le jour que nous ba bouteille paysan ni ba chauffeur on a bah chauffeur Nabiso Azawana Kodevier n'importe quand, n'importe comment. Donc, alignera les gars comme Ninga. La première de choses, il faut passer à la nanou. Et ça, nous l'avons servi à chauffeur. N'oubliez pas aussi les Wewa. C'est ça. Bon, on est sur le chauffeur Nanzela, non? N'est-ce pas?
Voilà, Alors, il faut d'abord qu'on serve à chauffeur dans ce que nous avons. Voilà, dans ce cas-là, il y a un peu de temps. Ce n'est pas pour rien que nous avons chauffeur dans cette école, dans le code de la route. Ce qui veut dire qu'effectivement, le code de la route, c'est ça qui n'est ni. Je pense que la bêtise de dans ce cas-là, il y a un embouteillage, il va se créer, il y a tout le monde. Donc, c'est l'embouteillage. Nous avons dit que le chauffeur. D'abord, c'est la première de choses. Voilà, c'est d'abord la première de choses. Voilà, c'est d'abord tout à fait Nanzela on est fait dans la nano et le quand tu es salami bah ouais on trouve nous ouais pour ouais le bah comme nous tout passe hier bah ça va casse tête aux okana pour ouais bah il dit là puis toi il dit en côté azo côté donc bisika nyo ça tam bisika déjà mon pied boy tout ça va tu va il va monter ça pour parce que bon ça te met pourquoi bah te met là quoi ben film pourquoi parce que bah côté quand au bisika côté tu n'a pas à quoi pexo bilo quoi makamwana. N'est-ce pas, ma police routière, n'est-ce pas, mais ça va en gros. Mais bon, on va dire, on va la cater. Bon, on va dire, la police, allez, à Zuka, allez, oui. Bon, allez, casse. Il y a un an, oui. Bon, allez, casse. Nous avons un ordre dans Zéla, à Zéla, nous avons un la personne va chauffer, on a à Zéla, on a un que non, bouteille de salam, on a transport, on a un pas si, parce que ce qu'on a bouteille de salam, c'est et vous créez autrement que moi qui en transport, parce que on a grand côté, on a grand côté, place on a mis son vide, on voit que non, à ta police, on a un Zéla, on a un vide, parce que on a grand côté, on s'est concentré qu'à place, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de moi 500, moi 1000 francs, je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Est-ce que je suis en train de faire ça ou pas? Tout le monde est en train de faire ça. Transco est là. Il y a encore les fils Transco est là. Transco est là. Transco est là. La source de ça des autres au monde ngo au moment de temps jusque que nous va terminer arrêt des bus ma terminer arrêt des bus aussi à transforme mais transforme dans où à côté mais à côté mais là kuna ba nous avons besoin de rasco bangu ba solanda mususu c'est ce terme et tu vois et donc qu'est-ce que ba embouteillage mususu donc ils ça qui ba embouteillage ils ont créé les sources parce que pourquoi on va dire ordre dans la catégorie, dans des ordres, dans des ordres, à éviter. Parce que bon, on va tout tellement, mais si que tant souffre, arrête d'avoir des ordres à côté, mais à côté, mais la musique, le temps de balader, kuna, allez, vous transformez sur les yeux, et créez sur des ordres, vous en bouteille, je ne sais pas, que, aux autres, que non. Ce qu'il faut aussi dire, voilà. Dans le domaine de transport, nous avons ce qu'on appelle l'arrêt des bus et aussi des parkings. Mais le deux choses où on a un attaque avec ça va se faire pour respecter à côté. Bah partir mes yeux dans les sociétés, bah rien de plus que je vais parce que avant on transfère bah les billets, ceux qui n'ont pas dans un niveau il y a Gambier là. La ligne Nazoa transfère eux qui n'arrêtent pas dans une assemblée, Nagoya sur force Gambier. Arrêt de plus il y a Kingasani na niveau ya Gambier là qui ou en a force. Mais le commis déjà à partir à fond, Ali Batbazo Matanzilandi, la commune à Victor Batbazo Matati, en fond, ma place à rien des vices officiels des amis, Nessou Batbatoni Batelemi. Or, il faut essayer à organiser cette terre ouana. Tout à fait. Voyez, parking des Aliwati, parce que le Lopé Villa Kinshasa, la commune a vraiment battu la taxe, n'a pas au niveau de parking. Si vous voyez, parking des Aliwati,
arrêt de bis et ça ou ouais, faut te mettre un peu pour si ça problème à mon pièce pour un niveau de victoire on a parti comment on va arrêt de bus oui et bon arrêt circulation sur le économie bouché il n'y a pas moyen d'évoluer n'a qu'il pas je vais dire que le diable est l'eau tout moni quand il demande au premier d'un solo naïo les années à 80 les années même 70 Moto et Zala qui est vraiment dans la ville à Kinshasa, c'était plus du côté de l'Est et aussi du côté ouest africain. Mais le Oyo, Moto et Kotanra à Kinshasa, est-ce que le Oyo Koloba ayez aussi un problème? Il y a un problème en transport au Bakino, Zala qui n'a rien ou bien il y a un monde qui a créé le Oyo embouteillage. Il faut que je me bélé. Au moins, on a triomphé à l'Oana Robo et qu'il est mis de mort à l'Oyo. Fiston est en collé avant de répondre à la question. Mm-hmm. Yo, si quand on a ramassé quelques deux choses, et si quand on a été en bus transco est sous l'impulsion du chef de l'État. Non, on ne doit pas voir le chef de l'État partout. Non. Les transco ne sont pas. Lui, s'il vous plaît. Non. Non. Les transco. Non. Moi, je ne suis pas. Non. Il faut quitter. C'est les premiers citoyens. Non. Le président de la République ne peut pas être au four et au moulin. Il ne peut pas avoir le sens de l'ubiquité, comme disent les Français. Président de la République, Akenda qui va transcoter Aïe. En plus, projet à transco, on est un projet à Kala. Depuis, le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Le projet à Transcoan et Zalaki, depuis, je crois bien, Bruno Tshibala. Non, il y a Liboso, il y a 500 bus, il y a qui depuis Matata Ponyo. Deuxième lot, il fallait que Eya, c'est le projet Bandaki depuis Bruno Tshibala. Alors, Eya qu'on se matérialise sous Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ce n'est pas le chef de l'État qui a impulsé le fait que Transco Eya. Et ça, gouvernement de la République. Et là, il faut tout ça là quand même effort. Tout le chef de l'État, Azala, n'a pas prérogative. Il n'a pas prérogative. Il a été tout le temps qu'il a fait. Ça, c'est de un. De deux, et si Kamoko, Bijou Maïka, il y a aussi Koloba, en ce qui concerne Makamba Transco, Areabus, il y a Transco. Non. Nous sommes en train de. Peut-être, Bissonne, Bakino, tout ça mal organisé. Nous ne comprenons pas bien les choses. On a vu par exemple que na 7e rue bus ya Transco et Telemaka na se ya passerelle c'était Telemaka liboso kuna menga na telemi na se ya passerelle non c'est la bus ya Transco et Telema place wana na mon bus ya Transco lekina betango boya telemi te ah boza mutema mabe boza boebo non bus ya Transco ezana arrêt nango esika Telemaka bisone bakino tolingaka bus a Telema esika onga na lingi. Bus à Kitisanga et Sika Oyonga na Lingi. Pour ça la sensibilisation, bah, qui n'ont pas été. C'est ça maintenant. Mais non, depuis Outi Koloba, tant que Transco est acquis, sensibilisation n'est pas les maquis. Tu es bâti que bus et Transco, Arenango, Ezalaka Awa, Soka Kea Telemi Awa, Soka Kea Telemi Awa. En dehors, il y a place, on a place à Telemakate. Tu es bien déjà Ndenge Zalaka. Donc, Toti Kako. Tu as Transco comme prétexte, il y a un embouteillage dans la ville à Kinshasa. Ça, c'est un fait. Un autre fait, par rapport à ba chauffeur et consort, à la base, il y a un embouteillage. Oui, là aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord que ba chauffeur, ba stationnement, na bango ezala kamabe, ba télé magamabe, ainsi de suite, ba roulage, semeur de troubles Nanzela, baza peut parmi bateau bazo créer mon embouteillage Nanzela. Là il faut le reconnaître. Mais la présidence de la République va créer que l'okomo kwana agence de prévention des changements de mentalité. Banda va créer l'okwana monaka ka bache pancarte moko ya mnene kanyaka koyiba kanyaka teko. Mais c'est ça leur rôle, faire changer la mentalité des Congolais. Moussa l'onde, il faut pas ça là, Angwana. Va sensibiliser le chauffeur, va sensibiliser le roulage, va sensibiliser tout le monde pour que, bah, il faut tout ça là-bas, pour que difficulté à transport est à la tête, pour que l'embouteillage est à la tête. Mais tu as un cacao, agence de prévention des changements des mentalités. Selon vous, ça Moussa l'a vraiment mal. Moussa l'a tête, et là, on est déjà ça là. Et puis, pardon, ils sont rancoliers. Non! Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a des messages. Non, ça ne suffit pas. La sensibilisation n'est pas seulement passée à la télé.
dire des choses ou mettre les pancartes, ça et là, pour que... Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la descente sur terrain. Comment ça, est-ce que vous assure que ma chauffeur... Est-ce que vous assure que... Non, bah, on s'en a pas qu'au chicoté. Mais la sensibilisation sur le terrain, ceux qui au kitin à terrain, mon chauffeur a télé ma veille ici. Chauffeur, mon boué, balasima, pour ça, la boué, t'es bisous, tout ça, bah, tu as boué. C'est ça la sensibilisation. Mon roulage, à nous en mot et à l'ika, sous n'est bijou, ma ikan, y a un tel coloba. Ok, yo, et bici, mène des coroulages, au moni, on s'en est salamaka boué. On se faire changer, bango, mentalité. Yango, anande, moussala, na bango. Musala oyo bango esengeli basala eza yango wana eza teke bazwi mbongo balie baleki na televizio bakoma oloba yo kanzi chauffeur oyo azoleka wana azotala pancarte obino botie wana chauffeur oyo aza na mutuka azoketa oroulage aotala message obino bofaire passer na televizio non. Alors mpona kozonga na question na yo otunaki ngai, est-ce que bah oui, ouais, bah conducteur à moto l'arrivée de moto dans voilà. La province de Kinshasa, est-ce que eko sous ma transport la stabilité à transport bien qu'au client pour les embouteillages. Franchement, il faut tous à la reconnaissance envers Bandekoana. Il faut tous à la vraiment reconnaissance envers Bandekoana. Bandekoana biso ya ba conducteur à moto ba yeko aidé biso makasi. Je me pose la question, na ndenge transport est comment pas si boelelo. Ce qui ezalaki que moto ezala kite na lingana mituna to lingana to koma na niveau nini to lingana to bando tambola makolo ya lungwe banda centre ville na kweti epa na ngai na kote ya université de Kinshasa na makolo nde jour msusu to tambola makolo za moyo tambusa mutuka na nzele za te ozape na mbongo na moyo za to pe transport eza te nanga mutu na lungwe centre ville makolo na komi peut-être ni mette 17e rue avant mutaza na mutuka. Pourquoi? Parce que embouteillage ezala ki makasi. Bande konabi sur la moto, franchement, bayeko sunga biso makasi. To kom to mona bande kon moto bazo kota na bakwa oyo kutu mutuke okota kate. Bon kende na oti esika moko mutuke okomate. Bande kon moto soki transport eza pasi. Ba ko sala de sorte que ba meka ko faufiler bien que eza en brisant en ne pas en respectant certains principes ya code de la route, là on reconnaît. Mais bandeko na ba aide akabiso makasi. Problème ezana bandeko ya moto, eza juste ko canaliser bango, ko sensibiliser bango, ko pesa bango une formation permanente. Formation biso ezaka formation teke. Ko canaliser bango, ko sensibiliser bango, ko pesa bango une formation permanente. Oui. Sikoyo, quelle est cette institution ana, il faut ezala na charge, ya ko canaliser, ya ko sensibiliser, pe ya ko former bango. D'abord ministère à transport provincial ou national, bon ça dépend. Parce qu'aujourd'hui c'est l'hôtel de ville de Kinshasa, voilà, qui est dans l'hôtel que la bombe à plaque. Ce qui hôtel de ville de Kinshasa a une hôtel que la bombe à plaque pour la tambola et la sali constant au monde à moto bas dans la plaque d'immatriculation. Ce qui hôtel de ville a une hôtel que la bombe à plaque hôtel de ville n'est il faut sa responsabilité wana yako salaka effort yako salaka ba sensibilisation une formation permanente. Pona bande kuana ezaka ka bango te même na ba chauffeur ba chauffeur ebele il faut ba kenda ka bazana oui nazo chuter bazana organisation na bango aseko aseko na ki ko travailler en collaboration avec l'hôtel de ville pour que ba meka ko pesa ka bango formation permanente po ba ye baka musala na bango eza nini ba ye ba ndenge nini ba ki ko tambola na nzela pour que ba créer bon embouteillage te wana en tout cas et ko salisa vraiment pour que et mes canaux limiter que aussi les embouteillages et qu'on diminue embouteillage vont monter mais pour soulager certaines artères de la ville de Kinshasa. Voilà, avant de passer à notre deuxième thème de ce matin, je vais dire pas madame Jumaïta, nous passer à tous ceux de en étant à Léon Jolé continuera du matin jusqu'au niveau à 17h après le boulot, même à la voiture il y a Thierry Batombo beaucoup écoute en anglais et je me suis dit non, ça pose problème. Là, dans le coup, il y aura transport. Ça nous pose énormément de problèmes. Les techniciens n'ont pas besoin de rentrer. Il y aura des gens tard le soir et le matin, il y aura des gens. Alors, quelles sont les propositions de vos bichos pour que ça là pour tout le monde à cas du coup un bouteillage et aussi des problèmes en transport et aussi la télé. Certaines propositions pour ça là. On a dans le public qui a côté peut valider qu'on a des choses à remarquer. C'est une proposition par message, un numéro pour mon nom. Mais dans le gouvernement pour moléculaire,
responsable la vie pour faire sa future ça pour ça là tout aussi ça problème en bouteillage n'a problème à transport les gens. Voilà, merci beaucoup Yanko le Fiston. Moi je pense que tous un peu réaliste, tu as vu Mbokanin, tu as un RDC, hein, tu vois, RDC ou comme un casse. Mbokanin. Tu as un à gauche, droit, côté, s'il vous plaît. Tu as un à gauche, tu as un mot, tout est sur le plan intellectuel. En tout cas, situation de l'Ekanambo, ma situation de l'Ekanambo, quand on a mis deux fois, il faut tout le monde en train de faire un peu comme ça. Et puis, comme conclusion, Non, pourquoi tu as le bongo pour que tu aies continué? Moi, j'ai ma proposition de que voilà l'État, il faut ça. Parce que ma proposition, c'est Salema. Une fois que notre pays, la RDC, est un bon dirigeant, et un dirigeant de bonne foi surtout, et un dirigeant de bonne foi, en tout cas, tout ça là est possible. Population. Mais ce que je dis, il faut nettoyer ma population. En tout cas, je le dis tout haut. Le jour que la RDC est un bon dirigeant, en tout cas, tout ça là va finir. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, allez à la télévision ou allez à la plénière pour dire que non, voilà, dans tel quartier, dans la place, parce que les gars, on a chaque jour. Boulevard Lumumba, c'est chaque jour que nos autorités passent, c'est chaque jour que les cacahuètes sont là, c'est chaque jour que les cacahuètes sont là, comment est-ce que, parce que, voilà, quand l'aéroport est en Djili, les cacahuètes sont là, comment est-ce que les gens souffrent, les gens font le pied, aller au retour, tant que maman, à ça, je vais avancer, tant que maman, où est-ce que le ministre, maman, où est-ce que le député, chaque jour, à leur retour, alors c'est pourquoi je dis ceci, le jour que la RDC aura de bons dirigeants, des bonnes fois aussi, je pense qu'il n'y a pas à discuter là-dessus, il n'y a pas à commenter là-dessus. Je pense qu'il y en a tout qui va. Voilà, c'est que j'ai retenu, le jour où la République démocratique du Congo est de avoir des bons dirigeants et des bonnes des bonnes fois. Voilà. Des bonnes fois aussi. Question est encore, pardon, par rapport à Obijou Maïkani à l'objet. Dans un commentaire, on a dit que celui de l'Oba au Bazawana, Bazan a bonne poitrine, Bazaki va bon dirigeant. Là, peut-être que ça va être un bon dirigeant. Bon, Moukieka a 30 secondes pour nous aussi, ça. On a un bon dirigeant, on a un bon dirigeant. Nous n'avons pas parachuté un bon dirigeant, nous n'avons pas été tous les gens qui ont été. Non, nous avons été à Tindeli, nous sommes un bon dirigeant, C'est à nous-mêmes, le peuple congolais, il faut que nous ayons le choix. Nous dans le lobby, en général, le peuple congolais, nous sommes naïfs, permettez-moi le terme. Pourquoi? Parce que tout le monde a qu'à pendant la période électorale, Ndeko, Aoye Layo, moi 2000 francs, moi bassin, oh Yende, Oumela, où y'a quoi là-haut, bah projet à bien. Voilà, moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela. Aoye Zoye Labisoka Maloba, Torolia Maloba, Torolia ba discours, c'est ça le peuple congolais. Ceux qui m'ont aidé, moi, copo, moi, 2000 francs, à mon dirigeant malam, à Pessier, voix, à Kekuna, à Kenaye Kolé, la Mombong. C'est ça maintenant, pour conclure. Tu peux permettre. Bisso, bah, Congolais, il faut tout ça, l'effort. Yakoye, bah, pour ça, la choix, na Bisso, bah, charlatan politique, bah, la Bisso, bah, bassin, bah, 2000 francs, tout bien, na Rabang. Donc, selon Joël, ils ont responsabilité, na Bisso, population. Pour la choix, il y a des dirigeants. Les dirigeants au bazar, ils ont l'Assemblée nationale. Parce qu'on dit le gouvernement, c'est la émanation, il y a l'Assemblée nationale. Là-bas, autorité, ils ont la Premier ministre, ils ont la ministre, ils ont l'Assemblée nationale, ils ont la Sénat.
Je ne pense pas que En tout cas, c'est ce que je dis. Nous avons vu que nous avons de bonne foi, quelle que soit l'influence, quelle que soit la menace à Zanango. Mais ceux qui ont un moto, qui a un moto, qui a un moto, voilà, nous avons un moto, le col de la batouana, entraîner le monsieur Kouboka. Donc, moi, je pense que c'est ça. Bon, on a invité tout le monde à Sambela. Pour faire Sambela, on a invité tout le monde à Sambela. Et ça, c'est le moment que nous avons. Non, non, au moins, les années. Non, non, voilà, moi, j'ai dit tout ça, on est la mer rouge. Moïse et Mboko, peut-être qu'on a un jour. Ah, ce n'est pas facile. Bon, oh, bah, là, moi, je ne sais pas. Ça peut être lourd, je ne sais pas. L'église qui m'a dit, c'est Moloba qui est le quatrième président et il est à cause de la mission en train. Donc, là, il faut poser la question à Thierry Batondo. Le quatrième président, c'était Joseph Kabila. Voilà. Le premier, Kassavou. Deuxième, Mobutu. Troisième, Laurent Désiré Kabila. Quatrième. Il faut poser la question à Thierry Batondo. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà. Voilà. Les confessions religieuses. Ah, voilà. Là, c'était notre premier terme, notre bénéfice par rapport à la problématique. Et là, on a dit qu'il y a une autre beaucoup de savoir ma connaissance dans la SMS, beaucoup de la vie et surtout ma remarque de la vie de temps en temps dans l'intervention. Pour vous demander pour relayer à mon pouvoir continu, de temps en temps, il y a eu une grande rencontre ce soir au Nouveau-Land en direct. On allait au jour à partir de 17h, où il est proposé dans des théories de l'Union démocratique congo, le départ national A, il y a des l'Union démocratique du Congo, coaché par Christian Sengibienbe. Pour livrer, c'est la cinquième journée, ce soir à partir de 17h du côté de Libreville, au Gabon, Panthère, au livrer machin, au Léo, maintenant, la difficulté au Nyon, Léopard, soit qui, hier, pour un déplacement à Bango, Léopard, équipe nationale, et le Moué Awa, la Kinshasa Lobby, au-delà de 20h. Or, voilà qu'il est le débat, Or, l'équipe nationale, il faut essayer le déplacement à temps, même avant 48h, il y a rencontre. Pour passer à la connaissance, il y a terrain. Il y a un match d'entraînement à Bambo, dans un stade de recevoir rencontre. Il y a une conférence de presse. Mais ce qu'on a remarqué, l'équipe n'a pas eu le déplacement et ça a mis en retard. Il y a 11 nationales n'a pas eu le déplacement. Il y a réclamé le prix n'a pas eu le déplacement. Et aussi, il y avait eu un problème des transports. Et vous avez dit, ah, on a pas d'acquis, ça c'est qu'il y a un abandon dans la Libreville. Il y a beaucoup et beaucoup de polémiques autour. Il y a Matambo Oyo et Tali Machiaba et Parallelo. Mais pour mettre à l'issue, on a tout encouragé. On a pu avoir aussi des pronostics. Et le soir, on a des présents à Bango du Jamaïcain et Joël Diawa. Mais Joël est aussi chargé. Il y a un département, il y a sport. Ah, on a pas d'aller au Joléo, Lélo. Quelles sont les chances? Il y a 11 prénoms, donc il y a Léopard, l'équipe à la mission. Fiston Yankolé, autour question, quelles sont les chances? Il y a équipe nationale, mais moi je dirais par contre, il y a des malchances pour cette équipe de la République démocratique du Congo. Dans l'ingana, nous pensons à moi tant, n'a rappelé pas fait. Mini haute au solo parce qu'aujourd'hui Léopard a la chance de gagner le match. On a été moins encore, il y a ça la match nul. Nous sommes conscients que le monde a été frappé par la pandémie. Les joueurs, les joueurs, la corona, les joueurs, ils ont atteint. Certains joueurs, entre autres Cédric Bakambu, n'est pas venu parce qu'il a été atteint. La France a eu sa décision à l'objet que tu as libéré ma joueur ligue de football française, ligue professionnelle de football française a eu sa décision que tu as libéré ma joueur africain à une seule condition,
La condition, c'est quoi? C'est que pour affréter un avion moko spécial pour la joueur ou la nyo soba kende, l'avion moko, bazo kan avion moko, bazo kan avion moko et ma passager nyo sauté. Voilà, pour réussir. Pour sécuriser par vous. Tant que vous décidez, les amis, le Gabon s'est organisé. Gabon a sali effort à sangisi ba joueur na nyonso na niveau à France a tindi vol spécial et que na France et zui ba joueur et qui tina bango ti na Gabon pour vous dire que ba joueur nyonso ya Gabon ba obeta entre autres Pierre-Emile Aubameyang qui était d'ailleurs venu avec son jet privé à Kozala toutes les stars ya Gabon ba obeta. Alors Bissot, qu'est-ce qui s'est passé? La RDC n'a pas les moyens d'envoyer un vol spécial et qu'il n'y ait pas de joueur. C'est un problème de la fédération. Non, ce n'est pas un problème de la fédération, c'est le gouvernement. La fédération a mis ça pour les joueurs, pour l'organisation de Léopard, l'organisation de l'équipe nationale. Bien évidemment, la FECOFA ne donne pas l'argent, c'est l'équipe nationale. Ce n'est pas l'équipe de la FECOFA, c'est l'équipe nationale, c'est l'État congolais qui débourse l'argent. C'est pas la FECOFA n'est là que pour organiser. Ministère Ozoambongo a pessi la fédération, fédération de Moutarosa l'organisation. Maintenant, ce qui fédération est une bonne côté. La fédération écoute ce qui fait des routes naïves bien avant. Bien évidemment, tant que tu as que ma pays n'y a pas. Le pays européen, le but que le club obtient des joueurs à telles conditions. Le sélectionneur national a écrit au gouvernement. Et le gouvernement dira que voilà, la lettre est venue tard. Alors que la décision a été prise dans la presque même période que Bandeko na biso ya Gabon. Gabon ba sali yango, biso lettre est commis tard. Vous voyez maintenant le problème. Et aujourd'hui, pour votre information, une parenthèse, match au Bétam na Franceville, na Libreville. Okay? Voilà. Nous n'avons que 8 joueurs professionnels. Et parmi ces joueurs professionnels que nous avons, parmi ces 8, il n'y a que Chancel Mbemba qui est au top niveau. Les autres, les Doka Yembe, Abetaran en Belgique, Aza même pas titulaire, Merveille Bopé, bah, les autres là, les Jackson Mouleka, oui, bah, depuis qu'il est parti en Belgique, il n'arrive pas à s'imposer. Trop de blessures. Trop de blessures, a quelques joueurs, bah, Francis Kazadi, Aouti Maroc, Ben Malango et les autres là, le petit Fabrice Ngoma et le jeune qui a joué avec Al Ahly contre V Club. L'ancien de Lubumbashi. J'ai oublié son nom, Kombone Koya. Au moins, il va jouer professionnel. Tozana Bango, il a 8 professionnels, 8 joueurs Wana. Alors, est-ce que Martel Tisserand n'est plus en forme depuis qu'il est allé en Turquie? Est-ce que vous croyez qu'avec cette équipe nationale là, face à l'équipe nationale gabonaise qui est au grand complet, vous croyez que le Léopard, ah, on a un joueur, on a Sonio Sobazala qui en a fait 2 buts partout. Vous croyez que Kuna, avec cet handicap, équipe nationale Nabiso, a Kokokakosa là quelque chose. Sachant avec que. La magie de notre coach. Non, le coach, notre coach n'a pas la magie. C'est le pire des entraîneurs que l'équipe nationale a connu. C'est le pire. Il faut revenir à Ibé. C'est le pire des entraîneurs que l'équipe nationale a connu. Voilà. Donc, depuis qu'il est là, vous voyez que les Léopards. Mais il a gagné l'Angola au niveau du. Rien que l'Angola est dernier de notre poule. Voilà. L'Angola est dernier. On a fait match nul ici. On est parti faire match nul en Gambie. Il faut avoir pour une précision. RDC pour se qualifier, il faut avoir au moins 4 points sur les 6. On a pas besoin de 2 journées pour être Gabon, après Gabon, pour être en Gambie. On a besoin de Gabon, de Longwe, de Kante. Donc il faut tout ça là. Moi, magie, mon coup, tout ça là, t'as moi match nul. C'est que Paulina Gabon et qui Angola gagné. Yoka ba calcul, la gagne de Mbangi. Alors que, avec la forme actuelle de l'Angola, on est analyste et il faut voir les choses de loin. Avec la forme actuelle de l'Angola, je ne vois pas l'Angola battre la Gambie. L'Angola a toujours la possibilité de se qualifier. Non. Tu as gagné le petit match. L'Angola n'a pas la possibilité de se qualifier parce que l'Angola n'a qu'un seul point. Un point, oui. Donc l'Angola n'a pas la possibilité de se qualifier. Est-ce que la Gambie a 7 points? Le Gabon 7 points, la RDC c'est 4 points. Ah, c'est 4 points. Donc, pour l'instant,
il faut avoir au moins 4 points pour se qualifier. Non, est-ce la que... RDC, c'est quoi? Non, la RDC, c'est 4 points. Le premier match avec le Gabon, 1 point. Le deuxième match avec la Gambie, 1 point. Le troisième match avec l'Angola, 1 point. Oui, c'est 5 points. Le quatrième match avec l'Angola, c'est 5 points. 3 matchs nuls. C'est 6 points, oui. Et une victoire. 3 matchs nuls et une victoire, c'est 6 points. Ok, merci beaucoup, c'est 6 points. C'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, pour gagner, il faut avoir au moins 4 points. Est-ce que vous croyez que la RDC ira faire un bon résultat au Gabon? Contre la Gambie, on se souvient, lors des éliminatoires de la CAN 2019, la Gambie est venue nous battre ici. Alors, nous allons encore recevoir la Gambie ici. Moi, personnellement, je reste dubitatif. C'est une question d'organisation. On n'était pas prêt pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà les résultats aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est pour nous pour ce soir à 17h. Ce soir à 17h. Est-ce que nos internautes, nos abonnés vont suivre la rencontre? Là, on doit poser la question à Sabi si techniquement nous serons en mesure de présenter, de proposer cette rencontre à nos internautes. Voilà. Merci beaucoup à Bichet Maïkani. Elle est plus politique, elle est plus culturelle, elle est plus penchée aux émissions des femmes. Hein, mais elle va aussi placer quelques mots pronostiqués. Bah, est-ce que vous pour gagner 5 à 0, pour gagner 2, 4, 5, on ne sait pas. Déjà, l'obé en gros, j'aime bien le sport, j'aime bien le foot surtout. Mais c'est un peu décevant, hein? C'est un peu décevant, il y a Colombia, parce que Léopard est peut-être sur Bakao moins ébélé, hein? Parce qu'on a peut-être avec Léopard, ils sont peut-être motivés, mais Bakao n'a zoa, en tout cas, Léopard, en tout cas, le coach, je ne le connais même pas. Vous voyez pourquoi? Parce que... C'est parce que Ibenga prouvait de quoi il était capable. Non, il n'a rien prouvé. L'autre. Non, il a prouvé parce que à Sarah Bloko, voilà. Donc, voilà. Il n'était pas le premier entraîneur congolais à gagner le championnat. Bien sûr. Même pas, qui nous a dit. Écoutez, tu sais quoi? Mais il a marqué son temps. Écoutez, je vais vous dire une chose. La compétition la plus difficile à gagner, c'est la première édition. Alors, la RDC a gagné la première édition du CHAN. La première édition, il y avait beaucoup de négligence. Non, non. La compétition la plus difficile à gagner, c'est la première édition. Eh bien, laissez-moi un peu terminer. Vous entrez dans les annales. Réflexion quand même. Avoir été le premier, la première nation à gagner une compétition. Je vous termine la réflexion quand même. Donc, pour tenir par rapport à Yangaï, moi je pense que Ibenga n'est pas un coach extraordinaire. Ibenga a quand même marqué son temps. Il a prouvé au Azaki Kabé Rosa, tout le monde qui est là, il est comme si on coupe tout le monde qui Ibenga. Mais jusque-là, moi je ne connais même pas. Le coach actuel de l'équipe nationale, je ne le connais même pas. Je ne connais même pas comment ça s'organise. Pourquoi? Parce que d'abord, tout sera mal organisé. À chaque fois que il y a mal la coupe Balmani, la championnat, il y a beaucoup de salles à tout sera toujours mal organisé. Tu vois pourquoi nos joueurs décollent en retard? Et ça dit que mauvais temps, tu as vu que c'est tout dans voyage, c'est un mauvais temps, c'est ça, ami, des stress, c'est ça. Tu vois, mauvais temps, quand tu as vu, moi, stress, on a déjà que non, voilà, que met un match, que ça bon, qui va se qualifier. Et maintenant, on ne sait pas, étant dans mon cas, on m'a ramené un bon, on ne sait pas si c'est réglé ou pas. Mais tout ça, c'est à mettre dans l'actif du gouvernement. Pourquoi est-ce que c'est à mettre dans l'actif du gouvernement? Laissez-moi un peu, quand même. Moi, je pense. Mais sinon, peut-être par rapport à parce qu'ils sont d'abord stressés par rapport à Mbongo, par rapport à. On ne sait pas, on ne sait pas. Et je pense que par chance, on peut toujours gagner. Parce que c'est notre équipe. Vous m'avez posé la question, quel gouvernement? Deux secondes, quel gouvernement? C'est le gouvernement qui a la charge des... Mais c'est tout à fait normal, c'est le gouvernement et Lukamba qui expédie les affaires courantes. S'il y a quelque chose, nous devons poser la question au gouvernement. Comme vous l'avez dit... Pas au cabinet du chef d'État. Non, non, comme vous l'avez dit... Parce que Thierry Batondoko, c'est Mathieu, il est pourquoi du cabinet du chef d'État. Pourquoi c'est là? Parce que... Le cabinet du chef de l'État actuel se comporte comme un gouvernement bis.
C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Bon, ça a une sous-pression au niveau de la vérité avec sa vie. Merci beaucoup. Et si le pain s'était éliminé, ça serait également sous l'impulsion